Partons sur AC Origins. On va reprendre plus ou moins là où j'avais laissé la dernière fois. C'est aussi simple que ça. Ah, sérieux? Bon. J'ai pas envie de redémarrer le jeu. On va laisser comme ça. Hein. Les graphismes ne sont pas au meilleur, mais au moins l'image est plus stable qu'avant. C'était le but. Je préfère, c'est plus agréable à jouer comme ça. Ah, qu'est-ce que c'est? Bah voyons. Par tous les dieux, il nous envoie un message du ciel. C'est comme si Ray était descendu sur nous. Oups. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Wow. Une petite photo souvenir, ça peut servir. De feu a creusé une entrée menant à ce tombeau. C'est un signe des dieux. Une grande pierre tombée du ciel dont il émane une lueur bleue. Une référence à un cadran solaire? J'aimerais le savoir. Ce nombre a l'air d'être important. 15. Ce nombre a l'air d'être important. Oui, merci. Alors. Qu'est-ce qu'on a là? Une épée et... Cette épée me dit quelque chose. Intrigant tout ça. Il y a un 15. Ah, il faut que la lumière atteigne 15. Ça doit être 15h, non? Ah oui, la tour. Ça doit être par là. Ce doit être le cadran solaire représenté dans le tombeau. Si on se réfère au 15, on a réussi. Ici du coup. On va essayer de monter dessus. Je suis censé faire quoi? Ah, l'ombre. L'ombre doit atteindre cette zone. Comment je fais? Je vais pas attendre 10 ans ici, quoi. Si? Je
si on peut activer une sorte de faisceau de lumière. Ce serait plutôt bien. J'ai pas envie d'attendre. Ah, voilà. Est-ce qu'il faut que je tire dessus peut-être? Ça fonctionne. 15. J'attends que l'ombre soit là-dessus et que je tire dessus après. Je risque d'attendre très longtemps. Ouais, c'est bien ça, en face. Ce nombre a l'air d'être important. Oui, merci. Bon, ben, je pense que c'est ça. Il faut attendre que l'ombre arrive sur le pilier. Inutile. Heureusement, j'ai récupéré la flèche. C'était quoi ça? J'ai vu que... Il s'est passé un truc là, non? Concrètement, faut attendre que ça vienne jusque là. Non. Comment ça se fait que je peux viser d'ici? Uniquement... Ah non, pas uniquement lui. Attendre devant et tirer les uns après les autres quand même. Bon. Très intriguant. Mais je comprends pas exactement. Est-ce que je dois en faire tout ça? J'ai bien fait de couper la vidéo précédente, ça aurait été super long sinon. C'est quoi ce bruit? Apparemment, je sais pas. Lumière éclairant les dieux. Paré. Qu'ai-je fait?
Faut peut-être tirer dans un ordre précis. Tu dois fouiller le tombeau. D'accord. On va pas partir sans une photo quand même. Hein. Hop. J'espère que ça vaut le coup. 15. Pousse-toi. J'espère que c'est un objet intéressant. Je vous salue, gardien qui veillez aux portes. Vous, qui avalez les âmes et dévorez les cadavres des défunts. J'ai fait un long voyage. J'ai vu tant de choses. Je ne suis que l'un d'entre vous. Il l'a déjà dit, ça. Dans une des missions principales. Je suis sûr et certain. Qu'est-ce que c'est que ça? Intrigant. J'espère que ça ressemble pas à Assassin's Creed. Quoi, Zidric, l'âme ultima. C'est marrant, mais... Où est-ce qu'il est? Ça me fait penser à Final Fantasy. J'ai jamais joué à ces jeux, mais c'est la créature là. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Ça ressemble pas exactement à ça, mais... où est-ce que j'ai vu ça? Oui. Chocobo. Dans... Il y a quelques années auparavant, j'ai joué à un jeu. C'était assez marrant. Ça s'appelle Super Mario War. C'est sur PC. Et il y avait pas mal de personnages comme ça. Et je pense que c'est un rapport avec Final Fantasy. Ça va vite. Oh, ça va. Wow. Oh, ça va. Ça vaut le coup. Un bouclier et une arme. Résistance à distance, taux d'absorption de dégâts, hémorragie, blocage. Seule une lame forgée à Insomnia peut absorber infatigablement la force vitale des ennemis abattus. Bon, bah c'est encore mieux qu'un. Parfait. J'ai des nouveaux jouets et j'ai une monture légendaire. Ok, allez, on reprend les quêtes.
C'était bien sympa tout ça. Memphis, méphitique. Non. Non, 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 moi je voulais... Secret des pyramides. Zou. Trouver Marcus le lettré. Bah voyons. Il ne doit pas s'enfuir. Par les dieux. Cette bête aura ma conscience. Donne-nous la relique. Et on promet de te laisser la vie sauve. Par les dieux. Quel guerrier. Bien. Bien, mais de justesse, non? C'est un insigne de Medjay. Incroyable. Je croyais qu'il n'en existait plus. Tu fais honneur à leur réputation. Tu as été extraordinaire. Je te félicite. Qui t'envoie? Le gros Kition ou le petit Héraclide? Ils ont cru que je ne m'en sortirais pas tout seul. Mais on leur a montré qu'ils se trompaient, pas vrai? Vraiment? Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu veux rire, Neb? Nous cherchons la crypte perdue du grand roi Snefru, le fondateur de l'âge d'or de l'ancien empire. Et comment tu comptes t'y prendre? Non, mais dis-moi, ils ne t'ont rien dit avant de t'envoyer me chercher? Rafraîchis ma mémoire. Selon mes dernières recherches, Snefru a dissimulé 3 artefacts dans ses pyramides. L'un à Medum, dans sa première pyramide qu'il a mal construite, un autre dans la pyramide rhomboïdale, dont il a dû modifier la conception après l'effondrement de Medum. Et un dans le chef-d'œuvre final, son tombeau, la pyramide brillante. J'ai l'un de ces artefacts, mais ces crapules de bandits m'en ont volé un autre. Il faut que tu le leur reprennes. Et où sont-ils? Ils campent sur les hauteurs à l'ouest de Memphis. Pour les trouver, il suffit de suivre le ruisseau. Tu vas aussi devoir réussir à entrer dans la pyramide brillante pour récupérer le dernier artefact. Je pense qu'il y a une ouverture en haut, mais l'ascension est ardue. Dans ma jeunesse, j'y serais parvenu, mais... J'irai voir. Il y avait combien de bandits? Je crois qu'ils étaient tous là. Je vois. Qu'est-ce qui te fait croire que le troisième artefact est dans la pyramide brillante? Chacun des 3 tombeaux en contient un. Enfin, d'après mes découvertes. Ces pyramides ont été bâties par le pharaon Snefru pendant son règne, vois-tu. Il a repris ce qu'avait conçu Imhotep pour le pharaon Djéser. Et il l'a amélioré. La pyramide de Medum fut la première, mais un regrettable défaut de conception l'a fit s'effondrer. Ensuite, il y a eu la rhomboïdale. Elle doit sa forme à une ingénieuse modification qui lui a évité de connaître le même sort que son aîné. J'ai réussi à percer les secrets de celle de Medum et de la rhomboïdale. Dans chacune, j'ai trouvé des artefacts mentionnés dans l'Egyptica de Manetho. Tu l'as sans doute lu. Oui. Donc, tu sais comme moi que ce troisième artefact est censé se trouver à l'intérieur de la pyramide brillante, son chef-d'œuvre. Mais bien entendu, c'est aussi la seule pyramide qui m'a résisté jusqu'ici. La pyramide brillante. Oui, celle de Snefru, dont la lumière brille à jamais pour l'éternité. Je vois. Je vais retourner au campement pour tenter de résoudre ce mystère. Mon campement est à l'ombre de la dernière pyramide. Rejoins-moi au tombeau de Snefru quand tu auras trouvé les autres artefacts. Ok, allez. Au revoir, j'aimerais défoncer les bandits et après m'amuser avec l'exploration. Encore des étoiles filantes. Ça arrive souvent.
petit feu. Non, ça c'est la pyramide. Ouais, c'est pas grave, je m'en fous. Peu importe l'ordre, faut le faire. Protège une menace. J'espère pas t'enfuir. Ah ouais. C'est une blague. Ah, l'animation différente pour une fois. Ça, ça me fait de l'argent. Allez. On va nous occuper de ça. C'est ça la pyramide brillante? On dirait pas. De l'eau. Qu'on peut déplacer, je pense. Ça, on a tout l'air. Non? Intéressant. Ça, ça veut dire... Ouais. Ok. Il est sûrement rien à voir là, avec la vidéo. Ouais.
Bon, lui c'est simple. Faut juste le viser. Voilà. Ça, ça peut se brûler. Non. Ça peut se briser. Prends mon coffre. Une arme. Ça fera du pognon. Sans plus. Alors. Ok. Ce qu'il y a ici. Il y a que je devrais en transférer quelque chose là-dessus. Sauter d'un coup dessus, non? On va essayer. Ça coûte rien. Non, juste prendre les points. Ça va le faire monter automatiquement. C'est ça. Et le reste, je le place là-dessus. Voilà. Très bien. Vite que ce soit trop tard. Ça va pas trop m'aider en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Faut que j'aille là-bas? C'est pas vrai. J'aurais jamais le temps. Il y a un petit problème. Un peu. Suffisait de venir se servir. Équilibré, je pense. Qu'on peut les jeter comme ça, c'est bien pratique. Laisser retomber. C'est peut-être plus simple, hein, mais bon, je vais essayer comme ça. Qu'est-ce que je voulais essayer? Ah.
Ah, oui. Hop. Non mais je crois que je suis complètement débile en fait. Il suffisait que je mette tout le poids là-dessus et c'est bon. Je suis vraiment bête. Je cherchais trop compliqué. Eh hey, oh, tu te fous de ma gueule là. Avant 3 ans, nous aurons construit plus de la moitié de ce grand édifice, la bande des artisans. Ouais. Bien, bien, bien. Cet artefact d'apparence quelconque doit avoir une valeur cachée pour qu'on l'ait mis avec de tels trésors. Bien, bien, bien. Ça aussi, c'est vrai. De choses à vendre. Ça c'est pour moi, ça c'est pour le fun. Ça c'est ce que je cherchais. De vieilles écritures de l'ancien royaume. Toujours la même réplique, hein. Plus qu'à aller écraser les bandits. Je peux pas aller sous l'eau quand même, si. Allons-y. Ça, j'ai quand même téléporté. Ouais, c'est pas le meilleur, mais bon. Fléau d'Ator niveau 35. J'ai bien envie d'aller l'exploser, mais je pense pas que j'ai le niveau. Même en étant niveau 34, ça va être compliqué. Même avec l'équipement que j'ai, là, qui est très bien. Hein. Je pense insuffisant. Wow. Pas besoin de prendre des risques inutiles. Allons-y comme ça. Quatre cuirs souples. Alors, artefact du repère d'Ougros à l'ouest de Memphis. Celui qui est en possession par les bandits. Vous êtes dans le coin. Allez, faut trouver l'accès maintenant. Interdit de venir ici. Bien, bien, bien. Allez, grimpe. Ouais, là, on descend là. Pas dans l'eau. Oh, c'est pas grave.
Sérieux? Il tire dans la tête, ça va pas le tuer. Ah bon. Oups, je voulais jeter. Hein. Comment qu'on fait? Non. Ah, j'ai complètement oublié. Ah oui, faut viser et tirer. Bien. Ça risque de pas bien marcher. Quoi? Trop tard. N'espère pas t'enfuir. Mort brûlé. J'ai comme l'impression d'être déjà venu ici. Ce qui est possible. Sûrement l'artefact que les bandits ont volé à Merkès. Très étrange. Il est temps d'aller voir Merkès et découvrir l'usage de ces trois artefacts. Ouais. Monsieur est là. Nous, on va utiliser celui-là. Nitria. Bon, la vidéo risque d'être un petit peu longue. Après ceci, il faudrait que je coupe. Viens là, Chocobo. Il est pas censé avoir 4 pattes à mon avis. Hein. Parce que la dernière fois que j'en ai vu là dans le jeu auquel j'ai joué là, il y en avait 2. Ma foi, les connaisseurs doivent savoir. Moi perso, c'est pas trop mon kiff. Wow. Oui non mais sérieux. J'ai récupéré les 2 autres artefacts. Ah, ça confirme mes hypothèses. Paré, c'est ça. Les artefacts forment un dessin. Mais il en manque une partie. Impossible de les relier. Sauf qu'il y a un passage dans l'Égyptica qui dit « La voie est libre sur la pointe brillante ». Et les inscriptions de cet artefact doit faire référence au pavillon du tombeau de Snéfrou, la pyramide brillante. Je suis sûr que la clé du mystère se trouve là-haut. Que dirais-tu d'aller y jeter un coup d'œil? Tu peux me dire ce que tu espères trouver? Les inestimables trésors de Snéfrou sont perdus depuis si longtemps. Ceux qui les révéleront à la lumière du jour seront considérés comme des héros. Hé, hey, je ne suis pas un pilleur de tombe. Non. Non, non. Bien sûr que non. Je t'assure, tu as ma parole. Tu ne perturberas personne dans les champs de roseaux. Ouais. Je vais grimper et je vais voir ce que je peux trouver. Les inestimables trésors de Snéfrou sont oui, perdus oui. depuis si longtemps. Ceux qui les révéleront à la lumière du jour seront considérés comme des héros. Voilà, Chocobo il s'est pas monté sur les pyramides. Pas que je sache.
Sympa ça. L'escalade des pyramides. Ça change des autres bâtiments. Des anciens AC. C'était là. Le sommet du tombeau de Snefru. Avec des fentes assez étranges. Faut placer les pierres. Peut-être que si je... Ces trois artefacts s'insèrent parfaitement dans les fentes du pyramidion. C'est un dessin. D'ici, sur la pyramide brillante, cela semble pointer en direction de ces ruines à l'est. C'est là qu'on trouvera la crypte. Bien, bien, bien. Merci le toboggan, on gagne du temps. Alors, qu'est-ce que tu as... Ne me fais pas languir, s'il te plaît. Tu as trouvé quelque chose ? Je vais apprécier la vue. Les éléments prennent place dans le pyramidion et forment un dessin complet. Tu es extraordinaire. Et dis-moi, est-ce que ça résout l'énigme des récits sur l'endroit où se trouve la crypte? Je pense que ça désigne quelque chose à l'est. J'ai pu distinguer ce qui ressemble aux ruines d'un temple. Suis-moi, je vais nous conduire là-bas. Pas d'autres ennuis, d'accord? Avec toi à mes côtés, aucun risque. Comment as-tu croisé le chemin de ces bandits? Oh, j'avais fait appel à eux pour trouver les artefacts. Quoi? Ils travaillaient pour toi? Eh bien, leur chef, Pelouche, prétendait connaître le désert mieux que quiconque. Je ne pensais pas qu'ils me trahiraient ainsi. Je ne pensais pas qu'ils étaient ce genre de bandits. Il n'existe qu'une sorte de bandits. Ils pillent et tuent pour de l'argent. Tu as raison. Ils paraissaient déterminés à faire les deux. Après m'avoir volé un artefact, ils voulaient me tuer pour avoir l'autre. Oh, tu vas finir par te faire tuer. C'est ce que j'allais dire. On me l'a déjà dit. Nous y voilà. L'entrée est cachée, bien entendu. Investigation des ruines. C'est nous. On a trouvé un trésor, mais c'est pas ce que je cherche. Commençons par là. Ça me semble le plus évident. Ces statues ont résisté au temps. Elles sont semblables à celles mentionnées dans les écrits de Manetho. C'est fascinant. Mais que signifie-t-elle? Allez, allez! Pas de temps à perdre! Le sol semble meuble ici. Voyons ce qui se cache sous le sable. Paré! Je me demande ce qu'on va trouver. Dernier obstacle dangereux. Mettre le feu. Viens là. Je t'avais dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter. J'ai cru qu'il allait brûler cet imbécile. Allez, par ici. Après toi. Nous sommes... les premiers à entrer ici depuis plus de 2000 ans. Ce lieu doit regorger de trésors. Espérons que Wadjet ne nous en voudra pas. Il m'allait brûler, c'est certain. Il n'y a pas à s'inquiéter. Tu as fait exactement ce que je t'aurais dit si tu avais été moins rapide.
Nous y sommes. J'ai allumé la torche comme ça. Oh, très bien. Ça alors, parait. C'est d'une beauté divine. D'avoir le trésor. Est-ce que tu vois la même chose que moi? Cette salle a été parfaitement conservée. Intacte depuis le règne des fumées. Bien, bien, bien. Un pyramidion parfaitement conservé. Une relique des dieux. Et l'origine de toute bonne chose. Les premiers rayons de Ré l'ont illuminé. Ils ont éclairé le vol de l'oiseau Bennu, qui a survolé les eaux de Noun. Voilà, Merkès. Ouais. D'autres. C'est ici? Cet endroit ne contient que de vieux rouleaux. Il n'y a pas d'or. Quelle merveille! Quel trésor historique! Kition et Héraclide en resteront sans voix. Je veux être célèbre. Nous allons l'être. Heureux d'avoir été utile. Dès que j'aurai catalogué nos découvertes, je les apporterai en chariot à la bibliothèque d'Alexandrie, où elles seront étudiées et conservées. 4000 XP. Tant de merveilles oubliées et perdues. Une fois en sûreté à la bibliothèque, elles seront protégées du temps et des éléments. Nous allons enfin redécouvrir comment Imhotep et Snefru ont bâti les pyramides. Ok, je vais couper ici, pour pas que ça fasse trop long, et on reprendra avec une ou deux quêtes annexes qui restent, puis on attaquera la principale. À la prochaine.